5 mots à traduire en anglais, toujours sur le thème des vacances. Premier mot, un marché. Market, le supermarché, supermarket. Deuxième chose, un parasol. Parasol, c'est un mot composé, c'est en fait un parapluie pour la plage. A beach umbrella. Beach umbrella. Un piège maintenant. Comment est-ce que vous dites un camping? Un camping, ça paraît tout bête. Ça fait partie de ces mots qui ressemblent à des mots anglais, mais qui ne sont pas utilisés comme ça en anglais. Un camping, campsite. A campsite. You go camping in a campsite. Maintenant, vous voulez parler d'un endroit qui est bondé, où c'est la foule. Alors, la foule, c'est crowd. Et on peut le transformer en adjectif avec crowded. Ok, crowded. On peut aussi dire packed. It was packed. The museum was packed. The beach is packed. Et pour terminer avec les choses plutôt négatives, comment est-ce que vous dites qu'un endroit est trop touristique, que ça manque d'authenticité? Touristy. Touristy. Allez, n'oubliez pas de me laisser votre commentaire avec votre score.